Hello tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts Final Mix. On s'était laissé la dernière fois alors que Alice s'était fait kidnapper alors même qu'on la sauvait. Le chat nous avait dit que ça provenait des ombres et que les ombres allaient arriver bientôt dans la pièce mystérieuse, donc on va pas perdre une seconde, on va y aller. Juste, je voulais vous dire qu'entre les deux épisodes, j'avais changé un tout petit peu de choses. J'ai changé les tactiques de mes compagnons. Donald et Dingo, comme ça ils peuvent maintenant faire... J'ai décidé un petit peu quand est-ce qu'ils attaquaient, quand est-ce qu'ils soignaient. J'ai surtout fait en sorte qu'ils utilisent leur objet d'HP et de MP lorsqu'on était en danger. Idem pour Dingo, voilà. Ça prend pas la même chose. Parce qu'ils ont tendance à dépenser un peu trop d'objets, donc pour économiser un petit peu, j'ai mis comme ça. D'ailleurs, je leur ai rajouté des objets parce que bon, si les ombres arrivent, c'est bien qu'on va devoir combattre. Donc on y va tout de suite, on perd pas une seconde. On va voir ce que le chat nous dit, parce que je pense qu'il va être là. Oui. J'aurai une meilleure vue d'un peu plus haut. Ok, j'arrive. Pas de soucis. Boinch, boinch, boinch. La chaise. Hop. Non mais, Sora, fais un petit effort, s'il te plaît. Voilà. Les ombres seront bientôt là. Tu t'es préparé au pire? Sinon, tant pis. Alors, je me suis pas préparé au pire, mais bon... Je pense qu'on devrait s'en sortir parce que voilà le boss de la zone. Donc ça, je m'en souvenais, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une grosse surprise de voir ce boss ici. Un boss que j'aime bien parce que, je sais pas, je trouve qu'il est assez stylé. On dirait qu'il est fait en papier. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je crois qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie brasier sur lui. Parce que là, vous voyez, il se bat avec des espèces de... de trucs de jonglage ou de torches. Et en fait, justement, c'est des torches. Et si j'utilise brasier, je crois que ça... Ça les allume et qu'il devient un peu plus puissant. Alors... Une astuce qu'on m'a donnée, là j'essaie d'en profiter pour vous parler avant de commencer, c'est que je peux cibler et dire à mes amis d'attaquer avec triangle, voilà. Donc pour l'instant il y a un seul ennemi, donc c'est pas trop difficile de les faire attaquer. Allez, on attaque, voilà. Alors je sais pas si la magie glacier est utile sur lui. On va l'attaquer d'un peu plus haut parce que le problème c'est que vous voyez, mince, le truc qui lui fait des dégâts, enfin là où c'est ciblé, ah, on l'a étourdi, on y va. C'est un peu plus haut, c'est pas ses pieds, donc il faut bien que je saute pour lui faire le plus de dégâts possible. Vas-y, monte là-dessus. Recible-le, s'il te plaît. Et go. Oh bah, d'accord, je suis tombé, bravo. Champion. Champion. Hop. Des dégâts. Non, ok. Oh là là. Ok, ils se soignent, nos potes. J'espère qu'ils vont pas utiliser trop de potions. J'aimerais bien éviter. On va utiliser la magie glacier là d'ici. Allez. Ah c'est bon, go. Allez, boum. Pourquoi il fait pas un petit dôme impact là? Je suis sûr que ce serait bien ça, un dôme impact. Bon, il a lâché quelques bulles de HP. Allez, on va repartir d'ici. Wow, la table devient folle. Table folle. Ok, j'arrive pas à le toucher là, je pourrais pas le toucher. Faut que je le touche à partir d'ici. Allez, go! Étourdissez-le, les gars! Étourdissez-le! Ok, monsieur a enlevé la chaise. C'est un choix artistique. Peux-tu sauter sur la table? Arriverais-tu à sauter sur la table? S'il te plaît. Oui! Par contre, elle est toujours folle? Non. Allez, go! C'est pas évident, là, du coup. J'ai plus la chaise pour monter. Hop! Non! Tu t'es raté, Sora! Tu t'es raté! Vas-y, saute! Voilà. On y va. Allez, c'est bon, il est étourdi. Allez, go. Allez. Ok, je pense qu'on lui a fait plutôt pas mal de dégâts là. Prends les bulles. Voilà. Faut qu'on remonte. Mais la table est folle, la chaise est de retour. Gloire à la chaise. Alors, ces torches sont en feu, donc je me suis trompé. Ça ne provient pas du tout du fait d'utiliser brasier, donc je vais utiliser brasier, je vais pas me gêner. Par contre, merci les boules de feu là. Cassez-vous les boules de feu. Cassez-vous les boules de feu. Faut que je me soigne. Sora. Voilà. Allez, brasier. Vise-le. Fire. Boum. Soyez étourdi, monsieur. Il fait de plus en plus de dégâts là. Ça va pas du tout. J'aime pas ces boules de feu. Comment je les esquive, les boules de feu? Aïe. Allez. Il doit pas rester grand chose là. Aïe. Soigne-toi. Méga potion là, sur tout le monde. Voilà.
Ah d'accord, c'est ça qui l'allume. C'est le... C'est lutter à côté du four, tout simplement. Je sais pas comment on esquive les boules de feu, faut peut-être aller un peu plus vite, faire des roulades. Faut vraiment qu'on arrive à le toucher, parce que là, il... Je peux pas le toucher, il est trop loin de moi. Rapproche-toi de la table, voilà. Prends-toi ça, prends-toi ça, allez. Et il a enlevé la table. Bien sûr, on a qu'à faire comme ça. Aïe, 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 non, rapproche-toi, rapproche-toi. Faut pas être loin de lui, j'ai l'impression. Ok, allez. Hop. Non, va pas chercher du feu. On va en profiter justement. Va chercher du feu si tu veux, mais je peux pas te toucher là. Ah, ça y est, allez, c'est la bonne là. Allez, allez. Toujours pas. Ah. Toujours pas, ok, pas de soucis, toujours pas. Il faut l'étourdir encore un coup et ça suffira, je pense, mais... Faut pas être loin de lui, hein, sinon il fait des boules de feu. Espèce d'esquive, là. C'est bon, c'est bon. Ouh. Alors, j'ai peut-être gaspillé un petit peu des objets importants, mais... C'était pas évident. Et ce qui est pas évident aussi, c'est qu'on voit pas sa vie. J'espère que je pourrai bientôt le débloquer parce que ce serait quand même très très utile de voir sa vie, où on en est, parce que justement j'aurais pas gâché un objet si on en était assez proche. Alors on a encore vu un cœur s'envoler. On a gagné le saut atomium. Intéressant. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? C'est quoi? Vous avez entendu? Je crois qu'on a verrouillé quelque chose. Effectivement. Ce Gumi n'est pas comme les autres, ça c'est sûr. Bon, je vais le garder. Ok, très bien. On a récupéré un demi-navigumi, donc c'est les morceaux du vaisseau. Splendide, tu es un vrai héros. Si tu cherches Alice, elle n'est plus ici. Elle est partie, disparue avec les ombres au cœur des ténèbres. Eh oui. Retournons à notre vaisseau, Gumi. Elle est peut-être dans un autre monde. Nous devons trouver un point de sauvegarde pour retourner au vaisseau. Super, merci pour cette phrase magnifique. Ok, donc Alice n'est plus ici, elle a été capturée par les ombres, c'est ce que nous dit le chat. Oh, on nous ramène carrément ici. Pourquoi pas. On a récupéré un saut atomium, donc j'aimerais quand même vérifier ce que c'est. Disons sur Dingo. Réduit les dégâts de type feu de 20%. Augmente un peu les PC max et la défense. Ça veut dire que je ferai moins de dégâts avec ma magie brasier si je fais ça. Pour l'instant, j'ai pas vraiment... Est-ce qu'on a débloqué des nouvelles compétences? J'ai pas fait attention. Compétences. Alors, Sora a débloqué propagation, assène un coup final de combo aux ennemis à proximité, puissance d'attaque en fonction des MP max. C'est plutôt sympa ça, mais il faut 3 points pour l'activer. À la limite, je peux enlever roulade, mais bon... Je gagne qu'un seul point, donc pour l'instant je vais pas l'activer. Lui n'a rien appris, et lui non plus, d'accord. Il n'y a que Sora qui a appris un nouveau truc. Et si je lui mets le saut atomium... Pardon, c'est pas ça. Je pense que je gagne un seul point. Augmente un peu la défense, augmente un peu les HP max et l'attaque. Ouais, je gagne un seul point de compétence, donc... On va pas aller très loin comme ça. On va donner ça à Dingo. Ça, il fera un peu plus de dégâts. Voilà. Parfait. Du coup, on a vu également qu'on a ouvert une serrure. Enfin, ouvert. Justement, on a plutôt verrouillé une serrure. C'est ce qu'a dit nos personnages. Et pour l'instant, bah, on sait pas trop ce que c'est. Donc, je vais vous laisser un peu dans le vague. Parce que moi-même, je pourrais pas trop vous expliquer exactement ce que c'est. Mais bon, on a verrouillé quelque chose. Et on pourra le faire sur chaque monde, normalement. Alors, on va partir d'ici. Puisque, bon, normalement, la zone est finie. On n'a pas eu de nouvelles du roi, des rapports d'Ansem ou de nos amis à nous. Kairi et Eriku. Par contre, bah, on a rencontré Alice, et Alice, bah, du coup, pareil, on n'a pas vraiment pu la sauver. Elle a été kidnappée,
Bah au final on avance pas beaucoup là, on récupère plutôt des gens à sauver que des informations. Donc on retourne au vaisseau parce qu'on a eu un demi-navigumi qui va nous permettre, je crois, de débloquer une nouvelle zone. Ok, vous avez obtenu un trophée, génial. Donc voilà, on a débloqué cette zone-ci qu'on pourrait se rendre, il y a un niveau 3 de combat. Sauf que évidemment, on a une zone ici qui pourrait être intéressante à visiter maintenant, parce qu'en plus elle a un niveau de combat 2. Donc je pense que tout simplement on va y aller. Vous voyez que le pays des merveilles, il y a une petite serrure. Donc ça c'est notable, mais bon, pour l'instant on va pas trop dire ce que c'est. Qu'il n'y a pas de serrure ici par exemple, et ici non plus. Donc on va se rendre ici, par contre je crois que je ne suis obligé de me retaper le chemin par ici avant de pouvoir aller là, donc c'est charmant. Je ne sais pas, verdict. Génial, faut que je me retape ça. Alors je sais pas franchement si vous voulez qu'on s'amuse à tout regarder ces machins là. Soit je vous les laisse tous, soit je vous les enlève, soit j'en mets quelques-uns. Je serais plutôt d'avis de les enlever, parce que en plus là... Comment on tire? Ah comme ça. En plus là, c'est même pas un nouveau, parce qu'on l'a déjà vu quand je suis parti de la ville de Traverse, jusqu'au monde des Pays des Merveilles. Donc au final, vous le connaissez, donc c'est franchement inutile. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le passe, et puis je vous retrouve directement quand on sera au nouveau monde, parce que je pense pas que je m'arrête à la ville de Traverse pour l'instant. On y fera peut-être un tour après parce qu'il faudrait quand même que je rachète des objets, mais là pour l'instant je vais me rendre au nouveau monde et puis on verra bien. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite. C'est-à-dire je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode prochain, mais j'ai l'habitude de dire ça. Donc ouais, à tout de suite. Ok, donc nous arrivons enfin au nouveau monde et vous l'aurez reconnu, il s'agit du monde... Bon non, vous l'aurez pas reconnu en fait. On reconnaît rien du tout. Bref, il s'agit du Colisée de l'Olympe, il s'agit du monde d'Hercule. Et juste, je voulais vous préciser, là, pendant ces quelques minutes où j'ai fait le parcours, justement, sans parler, j'ai pu me rendre compte que c'est tellement moche. Je sais pas ce qu'il leur a appris de faire une face comme ça, là, je sais pas, ils ont laissé ça aux stagiaires, ils se sont dit, vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux. Mais bon, c'est très laid. Bref, on va atterrir dans ce Colisée de l'Olympe, donc le monde d'Hercule. Alors c'est un monde un petit peu spécial, hein. Il se présente pas exactement comme les autres. C'est un peu une zone de combat, une arène. Et c'est beaucoup plus petit que le monde d'Alice au Pays des Merveilles par exemple. Et c'est un monde qui se fait pas tout d'un coup en fait. Si je me souviens bien, on débloque pas mal de choses au fur et à mesure et on y revient pour faire des combats. Bref, on va visiter un tout petit peu quand même parce qu'il doit bien y avoir des petits trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Examiner. Qu'est-ce qui se passe si on l'éteint? Bah si on l'éteint, hop, ah ça marche bien. Ça marche super bien si on l'éteint. Vas-y, vise, juste pour voir. Non mais, eh oh, allô. Mais pourquoi ça marche pas? Ok, mais va mourir. Peut-être que si je le fais d'ici. Peut-être taper dessus tout simplement. Ok, bah il a pas envie que je l'éteigne, très bien. Quoique, c'est plus petit que l'autre, non? Je veux l'éteindre, c'est bon quoi. On va bientôt y arriver. Non, bon allez, va te faire... hein. C'est bon, j'ai compris, je vais me faire troll par un bras zéro. Hop, caméra, qu'est-ce que tu fous? Ok, donc je voulais visiter à la base, caméra, qu'est-ce que tu mets? Ok, tout va bien, caméra. Ah, une marque trio bleue, donc ça on peut l'activer. Donc boum, qu'est-ce qu'on a? De l'argent. Un coffre. C'est bien aussi un coffre. Ah bah on a trouvé des dalmatiens. Très bien. Donc c'est pas le même type de coffre que sur le monde d'Alice. J'avais dit que c'était les coffres bleus, mais apparemment. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une marque de trio verte, donc je ne peux pas l'activer tout de suite. Et ici, bah on n'a pas grand chose. On n'a rien. Ah si, pardon. Un coffre. Peut-être que de l'autre côté il y en avait un, on va peut-être vérifier. Une méga potion. Charmant. Donald, ça suffit, arrête de faire des conneries. La caméra est complètement dingo. Sans mauvais jeu de mots. Ok, bah y'a plus rien, on y va. Ah, je l'aime bien lui, le petit Philoctète. Alors, quand même, regardez ce qu'il y a autour. Oh, mais la caméra est complètement dingue sur ce monde. Calme-toi, caméra, ça va bien se passer. On a une marque de trio jaune, donc c'est encore une fois pas pour tout de suite. On va parler au petit monsieur.
Ben, bonjour. Good timing. Give me a hand, will you? Move that pedestal over there for me. I gotta spruce this place up for the games. D'accord, mon poulet, là, mais je sais pas. C'est pas possible. Le problème, c'est qu'on n'est pas Hercule. Je pense que tu nous prends pour Hercule et ça va pas le faire. Dépêche-toi de remettre de l'ordre. Mais c'est pas possible. Regarde. C'est trop lourd. C'est un bloc de... Tu me diras sur l'île de l'Aurore... l'île de l'Aurore. Bonjour, je change de jeu. Enfin, c'est pas grave. L'île du destin. N'importe quoi. Je suis perturbé. On avait bien poussé un caillou qui était un peu plus gros que ça. Bref. C'est bon. Mais regarde, on peut pas. Et là, c'est quoi? Fermé. Allô? À moins que je puisse et que j'y arrive tout simplement pas. Vas-y, concentre-toi. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu comprends pas? Dépêche-toi de remettre de l'ordre, je m'occupe des préparatifs du tournoi, ça devrait être facile pour toi. Mais non! Mais non, c'est pas facile. Tu veux que je fasse quoi là? Bon. Après tous ces fails, j'ai checké quand même parce que ça commençait à me gonfler. Et voilà! Monsieur voulait pas pousser quand je fonçais dessus, donc maintenant qu'il l'a fait, maintenant que ça me fait rager, c'est bon. It's way too heavy. What? Too heavy? Since when have you been such a little? Oh, wrong guy. What are you doing here? This here is the world famous Colosseum, heroes only. And I got my hands full preparing for the games, so run along, pipsqueaks. Look, it's like this. Heroes are coming from all over to fight ferocious monsters right here in the Colosseum. You got heroes standing right in front of you. Yup. He's a real hero. Ouais, et le chat, il a dit qu'on était des vrais héros. Hero? That front? What's so funny? I fought a bunch of monsters. Hey, if you can't even move this, you can't call yourself a hero. Mouais. T'es pas plus héros que nous, mon biquet. Okay, so it takes more than brawn. Well, let's see what you can do. Ah bah enfin. Décidément. Alors on est peut-être des apprentis héros ou des vrais héros, mais en tout cas je me suis fait troll par un bout de caillou. Hein. Bon, on est passé juste 10 minutes là-dessus. Désolé, hein. C'est bon. Voilà. Vous avez l'habitude hein, en regardant mes vidéos que voilà. Alors bonjour. Cette épreuve est difficile, tu sais. Tu es prêt? Oui, enfin. Enfin on va pouvoir... Je crois que c'est de l'entraînement pour l'instant. Voyons de quoi tu es capable. C'est pas vraiment les jeux là, mais bon. On est obligé de faire ça pour... y être accepté. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Les règles sont simples. Casse tous les tonneaux dans le temps imparti. Prêt, c'est parti. Ok! Boum, boum, boum! Voilà, ok, pour l'instant ça va. Oh, le dôme impact qui fait plaisir. Je suis à 14 sur 20. Ok, c'est assez simple avec dôme impact, c'est cool. Pour l'instant, c'est bon. Pas mal pour un débutant. T'es gentil, mais... Le chat a dit que j'étais un héros, alors moi je crois le chat. Ok, c'est la même chose, mais en plus chaud. C'est parti. Vas-y. Voilà. Il y en a 25 cette fois. On a un petit peu plus de temps, par contre. Allez, boum, 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 boum. Il y en a à gauche, là. Il y en a à gauche. Allez. Oh, il y en avait plein, en plus. Parfait, un petit dôme impact. Monte là-dessus. Voilà, monte là-dessus, Sora. Ah, je vous jure. Là, cela. Hop, un petit dôme impact, un petit dôme impact. Non, ok, très bien. Non, non, Sora, là.
Enfin, je peux les viser. Ah, Sora! Prends celui-là, voilà. Non, mais. Il y a celui-ci là. Je crois que j'aurais dû lancer un tonneau dessus. Ah, oh, j'aurais dû l'avoir avec brasier. Ah, lâche ça. Je vais me rater. Je vais me rater. Je vais me rater. C'est foutu. C'est foutu. Foutu, 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 foutu. Mets-toi là-dessus. Brasier. J'ai pas. Tu devrais abandonner, mais pas question. Quel tempérament. Ah oui, attends, qu'est-ce que tu crois? Recommence. Ah, quand même. C'est juste que je suis mauvais. C'est juste que je suis mauvais, mais on va y arriver. Je ferais pas avoir par 3 tonneaux, là, ça ira. Hop. Celui du haut, je sais pas trop comment on l'a, mais bon. Voilà. Encore. Oui. Si aussi il sautait correctement, on pourrait s'en sortir, mais bon. Voilà, on a fait tout le tour. Ces trois là. Boum, voilà, parfait. Allez. Mais alors. Oh. Là. Parfait, le Dome Impact. Il m'en faut un ici aussi de Dome Impact, s'il te plaît. Non, bon, c'est pas grave, ça passe. Là, là, celui-là. Celui-là, celui-là, celui-là. Ok, maintenant tu vises. Et tu brasillettes. Voilà. Tu es plus fort que ce que je ne croyais. Enfin, tu te remarques. J'ai cassé des tonneaux, je suis tellement fort. You know, you ain't bad, kid. Looks like I'm headed for the games. Afraid not. Why not? Two words. You guys ain't heroes. Come on. Ok, donc c'est vrai que moi je peux comprendre, hein. C'est pas en cassant 3 tonneaux qu'on peut être déclaré vrai héros, donc je comprends son point de vue, mais bon, je pense qu'on pourrait quand même le prouver en faisant des tournois. Tu veux être un vrai héros, commence par maîtriser ce sort. Essence de tonnerre, ok, on a appris foudre grâce à notre entraînement, donc ça c'est très bien. On peut pas te parler, si? Désolé, mais je ne peux pas encore te laisser participer au tournoi, mais je peux être ton entraîneur. Non mais c'est bon. Oh là, oh là, c'est bon, c'est bon. Abandonné. C'est bien, t'es obligé de dire abandonné. Bon, c'était pas le but. Hop, voilà, on prend ça, on se casse. J'ai pas envie de faire d'entraînement. Rather a stubborn old goat, wouldn't you say? Who are you? Oh, hey, hold on there, Fuzzboy. Wait, let me guess. You want to enter the games, right? Well then, hey, get a load of this. A pass? It's all yours. Good luck, kid. I'm pulling for you, little shorty. Ok, on a un billet d'entrée de la part d'Hadès, mais bon... C'est un peu spécial, mais on va retourner voir Phil. On va lui dire, hey, look at that. I have a ticket. Salut. Hey, où as-tu trouvé ça? On peut participer au tournoi maintenant. Bon, d'accord, commençons par les éliminatoires. Alors, laisse-moi une seconde. Règle numéro 8, attends-toi à tout. Ok, très bien. Je vais sauvegarder, mon petit. Je vais sauvegarder et on va pouvoir participer au tournoi, en fait. Donc, tant mieux. Sauvegardons ici, c'est très bien, ici. C'est bon. Désolé, l'HDPVR a fait un petit caca nerveux, donc bon, me revoilà après la sauvegarde. Donc je voulais me lancer dans les éliminatoires, sauf que je vais peut-être quand même donner des objets à mes potes. Sauf que, encore une fois, je crois que j'ai pas grand chose à leur donner. Ouais, génial, j'ai 2 méga potions en élixir, donc on va donner ça à Sora. Attendez, on va pas faire comme ça. L'astuce c'était comme ça, on m'a dit prendre, voilà. Tu prends ça. Tu prends ça, et au milieu tu prends un élixir. Voilà, parfait. C'est quand même des objets assez rares, donc bon, je vais essayer de pas les utiliser. Je suis pas sûr qu'on en ait besoin, parce que les éliminatoires, ça devrait quand même bien se passer. Alors, certains participants sont de vrais phénomènes. Ça pourrait être dangereux, alors tenez-vous prêts. Les éliminatoires vont commencer. Allez, c'est parti. En fait, il se répète un petit peu tout le temps, lui, mais c'est pas grave. Souviens-toi, règle numéro 95, de la concentration. Alors, je sens qu'il va me rebattre les oreilles avec ces histoires de vrais héros, là. Éliminatoire, ok. Premier match, éclaireur des ténèbres, ok, allez, vas-y,
Foudre. Boum. Regardez ce sort foudre comme il est puissant. Il touche tout le monde. Je l'adore. Allez, on esquive un petit peu ça. Alors, je crois qu'entre les combats, on n'est pas soigné. Ok, le premier est déjà terminé. Bravo, Dingo. Oh là là. Oh, c'était quoi ce signe de victoire très... Ouais. Tu n'es pas encore un vrai héros. Voilà, encore un héros, tout ce que tu veux. Mais arrête de nous faire chier avec ça, j'ai envie de te dire. On a compris. Mais tu t'en sors pas mal. Une chance que tu m'aies pris comme entraîneur. Ouais, génial. Combien j'ai de combats à faire? Oh. Bonjour, monsieur. Regarde des ténèbres. D'accord. Alors, je pense qu'on va l'avoir comme boss. Je crois qu'il s'agit de... Cloud. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est lui. Mon petit doigt me dit qu'il va être dur à battre. Si c'est pas lui, désolé. Hein, je connais pas FF7, donc voilà. Tu l'affronteras peut-être, qui sait. Je sens que oui, si on l'a vu comme ça, c'est bien qu'on va l'affronter. Match 2. Alors, tenez-vous... Attendez, on va faire un petit foudre là. Boum, boum, voilà, ça marche bien. On les a défoncés. Il en reste deux là. Allez, cassez-vous. Alors par contre, je récupère pas non plus mes points de magie entre les combats, donc... Oh là, comment j'ai esquivé. Donc je vais éviter d'utiliser trop de magie aussi. Hein. Ok, donc deuxième combat, c'est bon. On enchaîne direct. Feu et glace. Alors là, on va se méfier parce que s'ils attaquent à distance, on va peut-être en prendre plein la tronche. Oui, oui. Allez, un de moins. Non, j'ai dit un de moins. On va peut-être profiter de la foudre encore. Hein. Foudre. Voilà. Ça a marché ou pas? Je sais pas. Allez, dégagez, dégagez. C'est assez dangereux en fait quand ils sont pleins de lanceurs de sorts. Donc... Allez, il faudrait que je récupère un point de magie. On va pas en garder un. Ah, Donald a pris un niveau et il a augmenté en HP. C'est plutôt sympa. Allez, prenez-vous ça là. Voilà. C'est bon? C'est bon. Nickel. Tu es plus fort que je ne le croyais. Dommage qu'il ne soit pas là pour voir ça. Qui? Hercule, le plus grand des héros. Il est allé rendre visite à son père. Oui, petit repas en famille, entre dieux, voilà, le dimanche, c'est sympathique. Alors là, il y a du monde quand même. Alors, on va peut-être récupérer des points de magie avec un élixir si ça se passe mal, mais ça me soignerait en plus. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas... Ah si, quand même, le Dome Impact permet de toucher tout le monde, donc c'est plutôt sympa. Et Donald a encore un petit peu de magie. Allez, boum. C'était le dernier, toi? Non, il en reste un. Allez. Enfin, deux, du coup, puisque je l'ai pas tué. Voilà. Alors, il y en a encore beaucoup comme ça, parce que... Pas non plus... Oh là. Vengeance bleue. Foudre. Ok, ça a peut-être marché, je les ai affaiblis. Hop. Allez, cible-le. Allez, 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 allez. Plus de dome impact, plus de dome impact. Dégagez. J'essaie de pas utiliser trop d'objets de soins pour l'instant. Hein. Allez, boum. Voilà. Il reste toi, là. Toi aussi. Donc, tous mes ennemis sont... Tous mes alliés sont KO. Toi aussi, t'es étourdi, bah dis donc. Voilà. We did it. Ok. Ok, ça a l'air bon. That little punk is your next opponent, okay? I don't blow it. Just take him out. The great god of the underworld is afraid of a kid? Sorry, but my contract says... I know! You think I don't know? I wrote the contract! I know it says you're only required to kill Hercules in this tournament. But you gotta fight that kid to get to him. Come on. Hey, it's like that old goat says. Rule number 11. It's all just a game. So let loose and have fun with it! I mean, a casualty or two along the way. It's no big deal, right? Ok, donc Hades nous a invité au tournoi, je pense exprès pour qu'on se fasse zigouiller par Cloud. Si tant est que ce soit lui. Toujours dans l'hypothèse que je ne me trompe pas de nom. Alors,
Apparemment on va le combattre, je sais pas si on le combat tout de suite. Le gros. Ah non, c'est pas tout de suite. Boom, Finder. Alors le problème là c'est que je commence à perdre un petit peu de vie. C'est pas bon du tout. Allez, objet, méga potion. Oh. Voilà, tout le monde est en vie, ça va mieux. Alors on va éviter de trop prendre cher. Ah non, j'étais prêt à l'esquiver celui-là. Allez, allez, allez. Boum, boum, boum. Voilà. Next. Il reste plus que le gros, j'ai l'impression. Recule, recule. Faut prendre par derrière, lui. Hein. Aïe. Oh, écoute. Ah, il va nous faire... What? Comment je fais pour esquiver ça? J'aurais dû faire une roulade. Voilà. J'aurais dû faire une roulade et je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il y a 10 combats. Et on en est où là? Ah non, final, Cloud. Ok, c'était bien lui. Je ne me suis pas trompé. Ok, go. Oh. On va peut-être l'avoir avec de la magie tout simplement parce que j'ai pas trop. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Élixir. Voilà. Alors je sais pas trop. Oh là là, oh là là. Non. J'étais prêt à l'esquiver là. Ça va pas être facile, je sens. Hop. Ok, ok, j'ai des bonus, c'est gentil, mais je pense que je vais l'avoir quand il saute là. Hop. Non, non, vas-y. Plante ton épée là, fais quelque chose. C'est pas évident là. Là, là. Oh. Ah, mais non, j'étais presque. Heal. J'ai déjà plus de potions, hein. J'ai déjà plus de potions. Allez, 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 arrête d'attaquer, toi. Dégage. Hop, j'esquive. Ah non, mais à chaque fois, je me fais avoir, quoi. Allez, dégage. Comment je l'ai canardé, là? Ok, je crois que j'avais crevé. Non, non, non. Ah oui, aussi. Ok, donc Cloud a décidé de ne pas nous achever. Par contre, Hades a sorti une nouvelle surprise. D'accord. Ouf, on a eu chaud. Ouais, comme tu dis. C'est des Cerbères, le gardien des enfers. Hercule devrait pouvoir le maîtriser. Mais bon, c'est pas sûr. Ça s'annonce plutôt mal. On pourrait peut-être lui filer un coup de main, mais pour l'instant, écoutez, je pense qu'on va en rester là, parce que déjà, je me suis fait déglinguer par Cloud et que je n'ai plus d'objets. En plus, j'ai gaspillé plein d'objets importants, comme des méca-potions et des élixirs, donc je vais éviter d'y retourner alors que je n'ai pas d'objets. Donc ce que je vous propose, c'est pour l'instant, on va s'arrêter là, on va sauvegarder. Aïe. Sauvegarde. Ouais, t'as qu'à re-sauvegarder ici, y a pas de souci. Et la prochaine fois, bah écoutez, ce sera comme vous voulez. Soit on continue le Colisée de l'Olympe, soit on retourne à la ville de Traverse chercher des objets pour... soit pour continuer le Colisée... De toute façon, je pense que si on continue le Colisée de l'Olympe, il faudra que je retourne à la ville de Traverse pour récupérer des objets. Donc voilà. Soit donc, deuxième option, c'est d'aller dans le nouveau monde qui est disponible, hein, mais qui demande une puissance de combat de 3, enfin, qui est marqué comme difficile, je crois, enfin bon, on verra. Donc si j'ai pas le niveau, je veux bien continuer ici, enfin bon, ça c'est pour ceux qui connaissent. Bref, c'est vous qui décidez, soit on continue le Colisée de l'Olympe, soit on va dans ce nouveau monde. Voilà, dans tous les cas, on découvrira de nouvelles choses. Et je pense pas que, de toute façon,
le monde du Colisée de l'Olympe soit encore très long. Parce que comme je vous le dis, hein, il se fait en plusieurs fois. Donc ça se trouve, j'ai tout simplement pas le niveau pour continuer. Donc il faudra qu'on revienne. Donc à la limite, peut-être qu'on ira de toute façon dans le nouveau monde parce que je n'y arriverai pas. Voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré tout. Il y a eu pas mal de fails, hein, puisque je me faille pas mal, mais bon. Vous avez l'habitude. Et on se retrouve du coup la prochaine fois pour continuer ce que vous voulez, soit le Colisée, soit le Nouveau Monde. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao.